C'est très respectueusement de venir tout d'abord vous mettre en règle, c'est-à-dire vous allez passer ici, nous allons enregistrer vos noms, inscrire vos noms, pour ce que ça puisse nous permettre en revanche de vous appeler à un ordre très normal pour les devenir à un ordre dispersé. Et entre-temps, on va nous balancer un morceau musical par l'ingénieur et grand sonorisateur Ami Shaddai, pour ce que ça puisse vous permettre enfin de venir vous mettre en règle. Juste après directement, nous allons démarrer avec cette grande série de dépôts de fleurs. Mais cette grande série de dépôts de fleurs comporte à son sein trois catégories. La première, ça sera institution personnalité, et suivie de la deuxième, qui sera les amis et connaissances. Et nous préparons cette grande série de dépôts de fleurs avec la famille biologique de ministre disparu, notre très chère regretté, maman, ma belle Jacqueline. Venez vous mettre en règle, venez vous enregistrer, vous lister. Nous sommes en compte. Nous avons 15 minutes et chacun d'eux aura 5 minutes. C'est la biographie et nous allons en finir avec l'un des leaders de la famille biologique de notre 0:30 à 45, que ce sera le fils Olgouma, tout juste ici. L'église n'est pas loin d'ici. Et ce cimetière de la nécropole réside au sein de la commune d'Entebbe. Et à 15h30, ce sera le retour du cimetière de la nécropole vers les Kambouma, ici précisément, là où se déroule la grande cérémonie funéraire de notre très chère maman, Mabende Jacqueline. C'est ici où nous tous, nous allons nous rencontrer juste après le retour du cimetière, aux alentours de 15h30, et c'est ici, bel et bien, une fois de plus, mesdames et messieurs, à vos titres et quatre respectifs. Nous aurons tous cette phraseologie-ci, de 7h30, fin des obsèques ou fin des cérémonies funéraires.
être tout un avenir florissant. Et l'autre dira dans le même ordre de même démarche que perdre une mère biologique, se perdre toute une grande affection maternelle, c'est-à-dire que une mère biologique présente beaucoup dans la vie de tout un chacun, raison pour laquelle nous allons la couronner, et cet couronnement doit nous donner le passage pour ouvrir cette grande cérémonie funéraire. Et voilà, c'est cool. La compassion que tu avais pour ceux qui souffrent. Il reste félin, ton amour, ton affection et ta générosité. Voilà, cette poésie funéraire est consacrée à l'endroit de notre très chère maman pour la couronner. Et il n'ignore que notre maman Mabende, Jacqueline, fit une exemplarité de toutes les qualités spirituelles, morales. Des podiums de fleurs, mais nous voulons tout d'abord commencer avec les témoignages. C'est vos témoignages qui constituent la première rubrique de la cérémonie funéraire. Venez, venez, venez. Mboli na ye mikolo ebele na moni conseiller azala ki pona ngai azate aparie azala ki conseiller na ngai ya munene tozala ki kokende na ye bisika nyoso soki na lobeli elikambo akoyanula ngai sima mikolo mibale akopesa ngai kimia. Na moni mutu mususu wako pesa ngayi te kimia lokola ye azate. Tutamboli na ye azalaki koluka ngayi atana se ya maladi. Soki ya moni ngayi te ifuaya koluka ngayi. Ava kufa mardi vendredi azalaki epana ngayi. Aye kukuta ngayi na azate. Alobi boye bisaye aya nazana posa na ye. Me ayoki ke akufi. Yangwana na temwanye bolamu na ye epa nangai. Zambe ape misaye na kimia. Na tele mi pamba te. Mabende chakilino ya lani lelo na se. Kobandaki na ye na musala ya soda epai na shaba. Bongo na base. Ye kaka koseka. Ye kaka kosei kaka likona bauti kulumba. Mukolo mwongo soba muni ngayi te azalaki kosepela te. Ebongo ngayi na woyi na ngayi modele na zana vite. Babende zani bongo te. Ngainde mwati ya mkundi sengenu kumakapesi ya nazali oye bandabu na ngai zalite ngaina ya aseki tango azuaki matanga ya mama kufi ndete yu kukuta na susu na ya aya ya chiyo yi yuki kangai mikolo nyoso kaka boye nyangu wana lelo nazali kupesa temunyashi wana kona kuhemi sakeli na mkundi sengeni na kuseka na mkundi utala nelo azalaki gentil na mubali na ye, azalaki gentil na biso nyonso. Yaona zopese konani demoniazi wana. Pe lejonere ya munene, mwana muke abandaki lejo de Maria, tumandi na ye, tuzuku sali nyonso tu, ote, ote, vraiment na kulubate mais la razaki vivante na zalaki na nse mo na bana ko yembela ye soki na yembeli ye na ndali na timbi ye boye ye ta simbi nga me na yebi ke na boye mbangu ya kukata bo comprendre wa ya yebi yango aya kupanyenga eza femme noire femme africaine je pense à toi oh dama oh la première mon vieux Amen.
La vente, il procède autour du cercueil. Merci, merci. Et j'étais accompagné par leur leader, la personne de monsieur le général Richard, un homme de beaucoup de courtoisie. Nous invitons les commandements de la 112e base aérienne. Voilà, ils sont là, en train de se diriger à Badetout. Les commandements de la 12e base aérienne viennent d'atterrir sous la chapelle ardente. Ils viennent de poster au dépôt. Ils vont aussi en profiter pour faire le recueillement. Merci, merci. Et la 11e, ce chef de fleurs. Après les commandements de 112e base aérienne, ce sont des là, ils sont là. Sous la houlette du colonel Beto, c'est leur leader qui les accompagne. Merci, merci mon colonel Beto pour cet acte très digne et chacun. Et voilà, je suis concentré en présentant à notre maman tout derrière au petit de Jimmy. La 11e cellule avec le capitaine Guillaume, alors leader qui les accompagne. Et c'est aussi pour rendre un grand hommage à l'endroit de notre maman et saluer sa grande mémoire. Voilà, c'est le capitaine Guima qui accompagne sa charpe de fleurs dans le compte de la 11e cellule logistique Guima. Mawadiri, préparez-vous déjà avec moi au sein du camp historique du général Bumba. Voilà, venez procéder au dépôt de bleu fleur. Voilà, c'est Semoa Dili en ligne. Structuré, il se dirige vers la chapelle à tantôt sera exposé les camps de notre très chère maman Marie de Jacqueline pour procéder la grande série de dépôt de bleu fleur. Juste après, c'est là.
appartenait aussi à la grande saga de dépôt des chefs de fleurs. Fontana, Yoko, Yoko, il est en train de se diriger vers la chapelle ardente. Professionnel à la grande saga de dépôt des chefs de fleurs. C'est de langage, c'est une expression pour pas vous dire que vous voulez aller sous la soupe. Maintenant, de la police RDA, à l'époque de Billy, pour aussi procéder au dépôt des chambres de fleurs. Nous invitons commandement police RDA, commandement police RDA, de la réponse de Billy, apprêtez-vous avec votre chambre de fleurs. Mesdames, Mesdames, Messieurs, c'est un jour. Merci, merci pour la musique. Mesdames, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, en vertu de tous les quatre respectifs, nous venons de clore avec la première catégorie qui était Salibou-moi, maman, Yesu Christo, Yeba Kiyote, O Vinangai, Yo Kananou Koko Yote, Yesu Koko Lanangaye, Ete Langali Solo Yote, Nanzela nangaye, Yesu ngana kutani na yo. Yesu ngana kutani na yo. Yesu ngana kutani na yo. Yesu Kristo, kotina mote mofandi. Nzambe nangaye, Ozuye sika ofandi. Ozuye sika ofandi na mote J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances. Nous vivons dans un monde plein de crises. Je t'en supplie, parle à mon âme. Je suis rejeté à cause de ton évangile. Le jour m'abandonne. Je t'en supplie, parle à mon âme. Je t'en supplie. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ton Dieu est en train de préparer ton témoignage. Et le témoignage sera tellement plus grand. Ils sauront que ton Dieu t'a aidé. Dans tous ces moments, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveugles, si tu as
grande équipe dynamique qui se dirige maintenant vers son pelotin pour procéder à la grande salle de position de forme. Avec les de brigade Richard Fitou et qui est en jeu et qui conduit cette délégation hébertique. Voilà, c'est lui-même, monsieur le général de brigade, Richard Fitoumbo, qui est l'officier idéologique de l'Israël du Paris, qui vient de faire, ensemble avec ses collègues, ses compagnons de l'Israël, les euphonistes, fait le dépôt des chefs de fleurs. Et nous allons boucler cette grande série des dépôts des chefs de fleurs, mesdames, mesdames et messieurs, à vos titres et cultures respectives, avec les euphonistes. Et les éphoïstes sont le général Bouba, un contrôle historique depuis l'époque coloniale. Ce qui sont célébrés à la grande cérémonie funéraire consacrée à l'endroit de notre pêcheur Maman Mabel de Jacqueline. Voilà, les éphoïstes viennent de boucler et clôturer cette grande série des dépôts des jeunes. J'en lis très bien soutiré, vraiment la main sur la poitrine, c'est un geste très titan. Révérend Abbé, chers frères et chers sœurs dans le Christ, il est toujours mieux de consoler que d'être consolé. Les circonstances qui nous unissent ce lieu restera gravées dans la mémoire de tout un chacun, mais beaucoup plus dans ceux qui sont très proches de Maman Jacqueline Mabende, que l'Éternel a appelé auprès de lui. Jacqueline, que nous pleurons aujourd'hui, est née le 11 mars 1942 à Likasi, des parents Georges Mabende et Marceline Thème, dans une famille de 12 enfants, composée de 9 filles et 3 garçons, dont elle est l'aînée. Elle fit ses études primaires à l'école Saint-Benoît à Likasi, à Kikoula, et 3 ans d'études professionnelles, section ménagère à Saint-Scolastique, toujours à Likasi. Et contracta son mariage religieusement avec Jacques Fitoumbé, que nous avons conduit à sa dernière demeure il y a 2 ans. De ce mariage, il eut 11 enfants, parmi lesquels 4 filles et 7 garçons, qui sont mieux instruits et éduqués. Dame qui était une dame de fer, dynamique, rigoureuse, et nous en passons. Elle nous pouvait parler en mal des absents. Elle aimait dénoncer le mal, elle était donc une bonne conseillère de la famille. Personne de nous ne pourra dire qu'elle n'avait rien bénéficié d'elle. Elle n'était pas seulement notre sœur, mais aussi surtout notre mère, à cause de son amour que nous témoignions. Sa disparition brusque constitue un grand vide dans la famille et pour ses connaissances. 2 jours avant de s'éteindre, Dajaki s'est donné la peine de parler avec tous les siens comme si elle leur disait au revoir. Jacky, certes tu es parti rejoindre tes parents et toucher mes bouts. Sache que tu nous laisses une très grande fortune. Maman Fitoumbé, que la terre de nos enfants te soit douce et légère. Merci, merci, les applaudissements. Merci, 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 merci. Il répond aux deux, mais c'est... Merci. Et il y a deux mots. Le premier, celui-ci, mesdames, mesdames et messieurs. Maman Bende et Jacqueline, et ce qui, ce monsieur, Mouela Fitoumbé. Chers collègues de service, chers amis, si nous avons à parler en cette circonstance,
faisant suite au décès de notre très chère et digne mère, c'est tout juste adresser des actions de grâce envers l'éternel Dieu pour nous l'avoir donné pour maman à côté de papa. Il a rappelé à lui il y a déjà 2 ans. À jamais, nous lui resterons rédevables, car il est impossible de s'acquitter d'une dette morale provenant d'un cœur aimable. Maman aille à nous aimer d'un vrai amour, cet amour qui encourage, qui corrige et qui châtie, afin de chasser de nous, ses enfants, la stupidité qui, tout naturellement, est attachée au cœur de tout enfant, afin de le lancer dans la quête du vrai, du beau, du parfait et du sublime. Femme de foi, il nous a appris à prier Dieu avec sincérité, et cela au milieu de sa connaissance. Il a guidé nos premiers pas en toutes choses, avant de nous confier au système éducationnel classique, en nous apprenant à lire, à compter, à calculer et à conjuguer le verbe. Plusieurs fois pendant ma présente visite, j'entends une maman lui lancer ces mots chaque fois qu'elle passe à la maison, femme noire, femme africaine. Cela dit beaucoup pour ceux qui ont Yali dans ma relève. Aussi, toutes les fois que j'entendais cette maman la féliciter, cela m'est convaincu que Dieu est fidèle à sa parole et récompense ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Le moment ne nous permettant pas de beaucoup réfléchir, nous voulons ici clôturer notre mot, cher papa, chère maman, chers frères et sœurs, chers collègues, en vous remerciant de tout notre cœur pour le soutien, l'amour, la compassion, l'assistance tant matérielle, financière que morale dont nous avons été l'objet de votre part, afin que nous puissions tous ensemble organiser honorablement le funérail de notre maman Jackie, maman numéro 16, maman Mabindé, maman Fitoumbé. Que le retour à la maison du Père Céleste, de ce pied autour duquel nous nous retrouvions en communion fraternelle, ne nous fragilise, mais plutôt nous pousse à la recherche toujours de la convivialité comme cela convient aux êtres humains. Encore une fois, merci grandement à chacun de vous, chacun en son rang et qualité respective. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.